Monsieur Gourdin a présenté Milk Bar, bah, qui enchaîne les bonnes performances depuis de longs mois maintenant. Hein. Bah écoutez, c'est un cheval, c'est vrai qu'il a fait que faire des progrès. C'était ce qui est sympa. Oui. Et bon, c'est un cheval qui affectionne particulièrement les pistes fibrées. Donc, enfin, il a aussi gagné sur le gazon, mais il aime bien la fibrée. Bon là, il va découvrir un peu la piste de chantilly. Bon, on va voir comment ça se passe. Il y a un bon numéro de corde. Mmh. Bon, ouais, maintenant il a gravi les échelons hein, sur le niveau des handicaps, échelle des valeurs plutôt. Ça se complique un peu peut-être ou il est toujours en bas? Bah forcément. Non, bien sûr. Non, mais c'est évident que c'est beaucoup plus compliqué. Dès qu'on attaque un tiercé, on n'est plus dans la même cour. Voilà, mais bon, écoutez, on n'a pas tellement le choix. C'est vrai, quand bien on sûr. Gagne un certain nombre de courses et qu'ils ont une certaine valeur, bah, il faut y aller. Il n'y a pas de problème. Il a un petit break depuis Pau ou il est toujours resté en entraînement de toute façon? Non, j'avais donné 15 jours de break. Mm-hmm. Après sa dernière course à Pau, il a été un peu se reposer dans un haras tout en le maintenant un petit peu, on l'a maintenu un petit peu en condition. Et puis il est revenu très vite en fait, hein, il n'est pas parti autant. Mais bon, l'idée c'était de lui changer un petit peu les idées et il va bien, le cheval, il est très bien. Voilà. D'accord. Bon, bah, il essaiera d'accrocher une place, c'est un peu l'idée probablement. Bah voilà, c'est l'objectif.